Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci. Et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de la semaine de ce lundi 12 février 2024. Et bisekanyo sobozo landa biso, et peigno sobozo landa biso, tulubi matondo mingi ba landena biso ya Congo Live Télévision, de votre présence devant vos écrans, de vouloir encore nous suivre une fois de plus. Sima ya donc na Congo Live Télévision ndenge na linga kana lobaki décor déjà implanté derrière to sima na ngai et si elobi ma kambonyo surtout les dames et messieurs nouveau décryptage na biso ya lelo et ko porter basango ebele basango oyo est concerné biloko oyo zo le kana kati ya mboka basango oyo et zwami na ba situation sécuritaire à l'est de la République wapi batu bakomeli wapi motivation ya batu oyo ya baye oyo bazo sala ba grève ba manifestation et komeli wapi est-ce que message na bango oyo bazo lekisa na ba manifestation ezo tambola mokili est-ce que ezo yokama batu oyo bazo zwa risque wana ya koloba makambo oyo ezo salema à l'est de la République notamment bino bofandi na diaspora, bino bofandi na kati ya mboka, ya certains oba fandi na Kinshasa, ba mosusu Lubumbashi, ba mosusu Kisangani, pourquoi pas Bukavu, ville à Bukavu, na ba ville mosusu Kwango, Congo Central, Matadi, Boza, Ebele, Oyo, Bolanda Kabiso, et puis bino bozui par, ya responsabilité wana, ya message wana, et puis bolobi, ezanango malonga eke bo zalayango. Donc, na koloba lelo, toko beta masulo mabiso, likolo ya basije ebele, bitumba oyo ezo salema, a l'est de la République, makambo oyo ezo leka, na kati ya mboka na biso, nini ezo leka na kati ya mboka na biso, précisément à l'est de la République, bitumba oyo ezo salema wapi, dans le territoire de Rutshuru, situation ekomi ndenge nini, dans le territoire de Masisi, situation ekomi ndenge nini, dans le territoire de Nyiragongo, Babando Betana M23 opposé FRDC M23 opposé Wazalendo situation ti ngonga oyo tozolo ba ezanango ndenge nini Munguna za motivé Munguna aza vraiment surchargé Munguna yemei azo sala makambo oyo zo tinda eke abanda koloba biloko ya lokuta azo confirmer kutu azo loba keno vraiment eza eloko oyo aza nakati ya mboka ebele ba mboka ebele oyo est-ce que ya lukuta est-ce que ya vrai na koyebisa bino ba mboka oyo azali na ba mboka oyo FRDC na wazalendo waza ti na ngonga oyo est-ce que na kobetama oba bozo betama est-ce que munguna bazolonga est-ce que yende azolonga stratégie nini azo utiliser po azwa bamba baba nani wana baba ba mboka wana stratégie nini azo kende nango po azwa ba mboka wana to kobetango au cours de notre émission. Mais pour commencer, je suis Youssoufou Kibingila David, naza journaliste au ya Congo Live Télévision, donc Totokoloba, journaliste d'investigation au yaza à l'est de la République, plus précisément, nakatia ville ya Goma, oyo ba landena biso ba ebi na bango ndenge masulu ezalaka, ba landaka biso de partout, une chose qui nous a toujours honoré. Tokobeta masolo likolo ya affrontement dans les territoires de Nyiragongo, territoire de Masisi, territoire de Rutshuru. Tokobeta ngolelo, tokoyeba nini ezo continue kuna. Tokobeta masolo likolo ya renforcement en homme et en arme. Boni M23 ezo sala yango, ezo bimela wapi. Oba message boyo ezo yo kasir la toile ke ezo sala boy, ezo sala boy. Ezo ya nango ndenge nini. Parce que nous on est là, on est en train de vivre la réalité. To yebiku tu place so bazo kote la don bazo kota na bango ba koti bazo kote la wapi toutes les précisions et détails boko zoango lelo sur l'axe Kibumba nini continue de l'autre côté ba poursuite à ba affrontement et comme li wapi ba mboka dans le territoire de Masisi M23 occupé wapi dans le territoire de Rutshuru occupé wapi et puis tokolobela psychologiquement makambo wana ya guerre likolo ya bana mboka ezo continue ngo ndenge nini Epe ba nini ebele ba masulo ebele oyo toko beta na mukolo ya lelo. Mais poto banda, to souhaite bien encore une fois bienvenue à nous suivre les dames et messieurs. Affrontement dans les territoires de Masisi et Rutshuru opposa les M23 au Wazalendo depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis une semaine, depuis au moins une semaine. Le front est télémaqué dans trois territoires, c'est-à-dire trois positions, trois territoires.
Bazo Betana. C'est FRDC Nde Kotisaki Mayelewana. FRDC Nde Kotisaki méthode wana ya koloba ke non. Il faut masolo et banda, babanda ko attaquer bango dans tous les coins, dans toutes les parties, ou ba occuper dans tous les coins, ou bango bazo fanda. Ndenge boyebi, M23 oyo ezo betana na FRDC. Les terroristes du M23, oyo baza sur le sol congolais, ils sont appuyés. Baza appuyé. Baza na lisungi. Lisungi ya nani? Lisungi ya batu oyo, bazo lingaba lobate. Ici, moi, je ne dénonce pas le nom de quelqu'un. Pour ne pas mal m'interpréter, balobake non, David alobaki boe, monsieur Youssouf avait parlé comme ça. Mais moi, je dis, il faut noter que le M23 est soutenu par Batouana bo lingaba lobate. Vous savez, ces derniers temps est le temps où Moutouna Moutifoise est dans la position. Moutouna Moutifoise est dans la position. Position à FRDC Zaboué. Position à la nation Moussousou face à ce qui se passe dans la RDC. Face à ce qui se passe en RDC. Face à ce qui se passe à l'est de la République. Bango Bazoulobani. Quelle est leur réponse? Batouana Bazoulobate. Parce que il est dit, il est bien dit que non, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Azana bisoté. Donc, Aza contre nous. C'est quoi? Les affrontements, si on commence déjà les affrontements dans les territoires de Rutshuru. Depuis jeudi, M23 et Zoa qui frappe. Moi là, je suis en train de vous dire des choses tellement vraies. Méfiez-vous de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dans les territoires de Rutshuru, Oebi Wanandeza, la base na Bango. Babunaga na kuna no, basi installé pe na ba administrateur dans administrateur la territoire na ba chef de cité. Alors, ce coin là eza lokola eza base na bango. FRDC lobby maintenant depuis 2 ans. Ils sont dans ce coin. Depuis 2 ans, bazawana, non il faut essayer. Yango babanda ki na bango bitumba, ils ont été désinstabilisés. Là, na lero tozolo ba ba palangala ki na bango. Na noté FRDC Zimboka wana na Rutshuru. C'est faut préciser parce que le M23 n'occupe pas Rutshuru nyoso. Mais na kobeta na oyo ba betana ki depuis jeudi bitumba ezo sale jusqu'à présent eza en cours dans le territoire de Rutshuru bazo betana. FRDC ezo mona ezo luka e mona boni eko déloger bango eko désinstabiliser bango eko longola bango na ba place o ba bandaki ko fanda dans les territoires de Rutshuru. Tout Rutshuru n'est pas occupé, n'est pas sous occupation du M23. Il y a certains congrès, ba place Moko Moko, Oyo Eza sous occupation, il y a FRDC. Il y a d'autres localités, Oyo FRDC et Fandeli. FRDC na wazale, nonde wazo sa nini, bazo kontrole. Kuna kuna ba nyanzale. FRDC ndeza kuna, bazo sous, ba, don, ba, ba, to, ba Fandi, bazo sous occupation nini, il y a FRDC. C'est sur des méthodes où FRDC zo sala et mona boni et ko récupérer bamboka oyo M23 fandi depuis kala. Depuis kala ba fandi wana. Depuis kala ils se sont installés dans les territoires de Rutshuru. Ils savent déjà ce qu'ils sont en train de prendre là-bas. Bazo luna ba bilanga ya bato. Bazo sala ba taxation wana ba biloko nyoso sala makabango ne bazo baza ba bénéficiaire. Certaines personnes, il faut savoir que non, l'État congolais est échoué. Non, l'État congolais n'a pas échoué. Mais l'État congolais est entre eux de chercher un mécanisme pour qu'il y ait de loger Batouana. Et puis, je vous signale déjà que dans les territoires de Rutshuru, Bitumbesi est bandit. Comment est-ce qu'on va les désinstabiliser? Pour voir comment est-ce qu'ils seront désinstabilisés et que Bakimbi Zabango, hors d'État, de nuire. Ba libérer ba espace Oyo, ba fandi. À ce qui concerne le dialogue, l'État congolais est boya parce que c'est Eza et Loko et retenir Bango Lobby et tu Bango poids. Comme nous sommes sur le sol congolais, comme nous sommes en train d'occuper Bailoko, na Bailoko, tous en a poids, peut-être récupérer Kaka et puis ils vont céder, ils vont accepter que non, tout dialogue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'État congolais continue à dialoguer? Et si est boya Nango depuis Kala? Donc vous voyez, depuis la semaine passée, où il est qui les affrontements jusqu'à présent sont signalés dans les territoires de Rutshuru. Base, je dis bien, depuis un certain temps, depuis de quelques jours, base Wana, base Oyo ya M23 Wana, ils ont ciblé, bazo mona boni, yakobeta bango. Alors,
Les affrontements sont signalés, bazo betana, jusqu'à présent. Dans le territoire de Nyiragongo, non loin de la ville de Goma, awezamuno kona ville à Goma, c'est-à-dire ceux qui va traverser wana, mboka ville à Goma bakomi. Mais bakonzi bazotika koyebisa biso chaque jour que non, Goma ne va jamais tomber. Goma ne va jamais tomber. Au-delà de Springbok, oya Monisco na FARDC, basala ki pour la protection de la ville de Goma, mais bango bayebisa biso que non, Goma ekokweyaka jamais. Goma ekotika kokweyaka jamais parce que eza eloko oyo bakonzi yango moko ata ya FARDC, les autorités civiles, militaires, bazosala bazopesa assurance. La population qui est bangate, Goma ne tombera jamais. Jean-Pierre Bemba Ngobo, Azala qui a une semaine au Eleki, Azala qui a une Goma, Azala qui a une rotation dans la ligne de front pour s'acquérir de la situation réellement qui se passe à l'est de la République. Mokonzi Oyo Anani, ya commandant Oyo Christian Tshiwewe, le chef d'état-major congolais actuel, donc Azala qui perd à Goma, qui a un lobby. Depuis un certain temps, ça fait vraiment presque une semaine comme ça, à Nakati, à ville à Goma, à observé Makambo Boni Ezali, à la ville à Goma, à Kenda qui n'a ligne de front pour s'acquérir de la situation. Donc, tu vois, bah réunion, y a bah entretien, bah bloc ébélé et ça les maquis. Et puis, Aza Alobi na eke poursuite Ezali. Il a suivi na Makamboana, a encouragé bah militaire Boni Bagosala. Donc, tu vois un peu. Alors, les M23 tentaient kokota na ville ya Goma au travers du territoire ya Nyiragongo. Ils ont tenté, ils ont voulu parce que plan A na bango ezaki bakota na kati ya ville ya Goma au travers ya cité ya Sake, c'est-à-dire balingaki ba beta Sake, ba récupérer Sake, comme ça ils ont déjà dans la ville de Goma, mais cela n'a pas tenu, cela n'avait pas été abordable et pas na bango pour que masolo wana ait continué pour que bakota na kati ya ville ya Goma. Ils ont été arrêtés, stoppés par le FARDC. En appui de Wazalendo, très déterminé dans cette guerre, tout la motivation à Bango, Boni Bazo continue, Boni Bazo, Kende Liboso, Po, Biloko et Simba Nango. Alors, dans le territoire de Nyiragongo, Nengena Tiki Koeb, Sabino Keno, Balinga ki Bazoua, Nzela Wana, Poubako Tanakatia Villa Goma. Heureusement, les Wazalendo étaient tellement éveillés. Heureusement, les Wazalendo sont toujours aux aguets. Heureusement, les Wazalendo sont toujours informés. Bazula qui bangonze là, Bazula qui bangonze mille, Bakatela qui bangonze là, Babetana qui compte pas possible. Jusqu'hier, les affrontements ont été signalés. C'est-à-dire, espace Munene Oyo M23 Bandaki Kozua et Bandaki Kofandela. Donc, c'est-à-dire, Oezaki sous occupation à M23 dans le territoire de Nyiragongo, non loin de la ville de Goma, c'est-à-dire, je peux dire, Bakibum, Bakuna, à 20 km de la ville de Goma, une partie, donc, partie Wana, Oba M23, Bazaki, Basima, Vandeli, partie Moko. Partie Wana, Eza subdivisé deux fois. Depuis que Bitumo et Salemaki entre Wazalendo, na M23, Basalemaki, front, face, Oya Komoni, Sanani, Mubali, Atembea, Akimisa Moninga. Les Wazalendo ont été encore une fois victorieux, Badelojaki Bango, na marché, oui, Babandaki ko contrôlé, Yakibumba. Ça y est, très nécessaire à noter. Il est important de noter que non, Bazo Kimisa Bango mbala mon côté, mais Bazo Beta Bango, Ndambu, Ndambu. C'est-à-dire, ils sont en train de le frapper, Bazo Kiteni, oui, Babeta Kibango, Bazo Babeti Bango, les sous, Bazo Kiteni. Et c'est comme ça nous espérons que non, si la suite continue jusqu'à présent, mais même jusqu'à la fin, ils seront capables à les déloger dans tous ces territoires, place Bazali. Et puis ça sera nécessaire et que les FARDC et les Wazalendo occupent ces terroirs, place Babandaki Kofanda. Bazo beta bango, mbango mbango te, mais bazo beta bango, kiteni kiteni, yango zo sala ke, le Wazalendo et le FARDC, bazo avance. Marché oyo ya Kibumba, marché de ya Kibumba, apparensta o nga na zoe bisabino makambo, en direct de la ville de Goma, eza sous occupation ya Wazalendo. Ce n'est plus le M23. Le M23 batikali likolo likolo ya kokote la territoire ya Nyiragongo, mais bazo beta ma. Je crois aujourd'hui ou demain, si ces affrontements entre Bangona et Wazalendo ça continue comme ça, j'ose croire que vraiment tout le territoire de Nyiragongo sera libéré et que c'est le M23 qui ne sera plus sur le territoire de Nyiragongo.
wana eza bisika ezo servir bango po basala renforcement en homme et en munition. Il est important de le signaler que bazo côté la soit dans territoire ya Nyiragongo soit dans territoire ya Rutshuru. Parce que tout au long ya frontière wana territoire ya Nyiragongo na territoire ya Rutshuru eza na limite na pays oyo babengi Rwanda, pays agresseur. Sko, bango bazo utiliser ba frontière wana, bazo utiliser ba limite wana pour faux usage. Po ba kota na kati ya mboka. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce que FRDC elingi te kotia ba soda wana pour ki bato wana ba kota te. Boule za ki no bazo mona. Ata batie ba kangela bango zela pour ki ba sala renforcement te. Bato wana, peut-être ils vont déborder dans les sites Kivu. Vous voyez? Alors, boule oyo batikeli bango. Boule oyo balobi e continue. Eza koloba keno, bakoti, apre kokota, babeti bango, basili na kati ya mboka. Bakoti, parce que ils entrent toujours. Il faut signaler que M23 e kotaka, mais zonga kate. Ces jeunes entrent, mais ne rentrent pas. Yango, FRDC, zotika bango, bakota, babumi bango. Bakoti, babumi bango. Bazo kota, babumi bango. M23 est aussi là. Mawana Mutoya est aussi appuyé par M23. Vraiment, c'est honteux. Vous êtes en train de mourir, mais vous ne voulez pas lâcher. Vous mourrez, vous ne voulez pas lâcher. Vous mourrez, vous ne voulez pas lâcher. Wazalendo Wazo Beta M23, mais pas zone d'imate. Samedi, non loin de la cité à Sake, Balengaki Basala Esko, blague na Bangoana, on les a repoussés à 20 km de la cité de Sake. Les gens qui étaient déjà à 5 km, à 3 km de la cité de Sake, on les a repoussés jusqu'à 20 km de la cité de Sake. Yango boyoka ke no M23 sala ki repli stratégique, eza repli stratégique te eza ko beta ma oyo ba beta maki. Ba beta maki au sérieux, yango ba ki maki. Ils ont fui et puis ba ke o mi bomba wapi na ebite. Mais ba beta maki au sérieux, c'est-à-dire ni au nord de la ville de Goma, ils sont très loin, repoussés par les Wazalendo. Ni à l'ouest de la ville de Goma, place ils voulaient tenter pour entrer, ils sont très loin, repoussés par le FRDC. Donc voilà la situation Oyo Ndenge Ezana Tongo Yalelo. Aujourd'hui, lundi 12 février 2024, Ndebo et la situation Ezali Ezo continue. Donc, Boe Masolo Ezo Kende. Sur l'axe Kibumba où les affrontements sont en cours jusqu'à présent, les Wazalendo ont récupéré le marché de Ruhunda et le combat se concentre sur la colline de Nyundo. Je vais encore le relire ça, Boyo Kanabino, très bien. Sur l'axe Kibumba où les affrontements sont en cours, les Wazalendo ont récupéré le marché de Ruhunda et le combat se concentre sur la colline Nyundo. Comme vous le savez très bien, les M23 ont toujours bazaka toujours dans vieux na kobeta na bangomba ba mi bomba na bangomba ba creuser ba tombe ba trou, c'est-à-dire ils sont en train de creuser ba libulu ba timoli ba libulu na kati ya ngomba lorsqu'il y a des fortes d'intense combat affrontement ba mi bombi na kati wana. Heureusement suko ezawana ezo sala musala nango comme il se doit. Poursuite des combats dans les territoires de Masisi. Dans les territoires de Masisi, il faut noter que les M23 jusqu'à présent baza à débandade, c'est-à-dire ils n'ont pas de position fixe. Ba éviter fixement place oyo ba fandi baza na place otokolo ba on est en train de les situer telle part parce que na ba place oyo ba bandaki ko fanda, les affrontements ont été signalés et on est en train de les poursuivre. Alors pour terminer les dames et messieurs, je vais vous donner la situation des choses telles que ezo évolué, c'est-à-dire ba cité oyo ezaki sous occupation ya M23 et qui est désormais sous occupation ya Wazalendo na FRDC. Ce moko ne etikali na kati ya maboko ya M23, mais nous estimons que si les affrontements continuent tels que oyo bazo mené yango, les M23 d'ici là histoire nango ekosila ekoyokana lisusu te. On va commencer. Moi-même, hier, j'étais dans la cité de Minova. Je suis passé route nationale numéro D, où il y a l'équipe Goma Bukavu Boe.
oyo mino va peza na kati wana ba mboka ebeleza na kati wana nga moko nazalaki wana nazwaki ba information, c'est-à-dire nazo pesa awa bino ba sango ya eloko nga na vivraki nga na monaki na miso na ngai tokoloba kirotie ba mboka oyo eza sous occupation ya FRDC, c'est-à-dire place oyo M23 zalaki mais sous occupation déjà ya FRDC. Moi j'y étais hier, je me suis depuis le samedi na kendaki ya na komaki na bamboka wana tosololaki na batu tosololaki na ba FRDC bakomaki ba image bokota la yango bokomona yango. Donc kirotie sous occupation ya FRDC ba M23 bazaki basi bazui bamboka mboka wana mais FRDC na wazalendo ba betanaki jusqu'à présent baza na mboka wana tokoloba ngungu yango pe eza sous occupation ya FRDC na wazalendo wazawana tokoloba Minova oyo boyokaki ba déplacement massif vers ba population kobima kuna na kotoyo eza désormais sous occupation ya FRDC na wazalendo Bweremana mêmement occupation ya eza M23T eza FRDC na wazalendo tokoloba Sake oyo boyebi eza sous occupation ba force belé Sadek o bati ba base na bango wana koza FRDC wazalendo pe wazawana me koza mboka moko eza na mboka moko oyo jusqu'à présent eza na nous libérer en totalité te et puis tokoloba oyo M23 ezo sala wana FRDC si e saisir affaire wana, c'est-à-dire dans ces deux jours na koya awa lisusu na pesi bino situation na bisi bino boni ba betaki M23 na esika wana eza oyo bozo yoka sasa M23 est en charge. Bazawana, c'est M23 qui est là. Bazawana, au moment qui connaît dans la zone, ça est une intimidation. Mais bamboka nyonso na tangeli binoana, est sous occupation ya FRDC. Alors, dites-vous, si vous dites que les FRDC ne travaillent pas, pendant que bamboka on est acquis sous occupation M23, mais à l'heure où je vous parle, c'est l'occupation ya FRDC. Comment cela peux-tu s'expliquer que zo bazo salaté pendant que basi ba libéré bamboka ebele? Tu estimes que ceux qui bitume continuent en Mobongo dans ces deux jours cherchent aussi sera sous occupation ya wazalendo na FRDC psychologiquement makambwane zo simba batu yango moni mobilisation ye likolo batu nyoso bazo mi mobiliser na ba diaspora ba pasteur na kati ya mboka na ba école. Je vous dis vrai, à Goma ici vous allez voir même des images. À Goma on commence déjà à enseigner ça aux enfants bazo buma biso me bozo lo ba elo côté babande otangi sango bana na école agoma bogota la ba image to komo sa bino ba image babandi ko buma batu bozolo bate. Voyez donc que le gouvernement congolais mérite notre appui. Le gouvernement congolais doit être appuyé par nous tous, chacun na rana ye, chacun na niveau na ye, chacun na oya salaka et cause à la travers ya eloko wana au dénoncer les mal ou les génocides des génocides qui se passent à l'est de la République. Voilà donc les informations, voilà donc le décryptage Nabiso et Alelo. Nous avons été honorés que Bozawana Bozolanda Biso, nous sommes tellement honorés. Et puis nous disons merci pour aujourd'hui encore une fois de plus. Et nous estimons qu'à la prochaine pour un nouveau numéro, vous serez encore nombreux pour nous suivre. Et je l'ai dit au départ, je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation Oyo Azalakana Congo Live Télévision, basé à l'Est de la République, pour vous donner les détails Nabasango Ebele Ezoleka Nakati Yamboka Nabiso. Pona Lisungi, pona ba commentaire, pona plus d'informations et tout le reste, Naza disponible, joignable au plus 243 9 93 46 71 93. Nous vous disons merci, excellente journée, bon début de la semaine. Et à la prochaine pour un nouveau numéro.